dit les pires mots quand il s'abat sur le monde. Ce monde glorifie l'info, info usage de faux sur les chaînes et sur les ondes. Le chaos, l'intellect, le chaos, abat parmi les pires mots quand il s'abat sur les pauvres. Son pauvre qui voit les infos comme un spectacle in vitro en direct à la seconde. Journaux, bande de bâtards, et radio, bande de sans-abri, demande aussi. Je suis un citoyen américain, dis-toi que depuis le 17 octobre 61, je suis un français algérien. Par conséquent, depuis le 6 août 45, je suis japonais, évidemment. Depuis la Shoah, je suis de confession juive. Après les massacres de Sabra et Attila, je suis devenu arabe de Palestine. Cela fait maintenant plus de 50 ans que je suis tibétain. À un moment, j'étais roumain, avant 65, j'étais vietnamien. Allô, soyons démagogues, 3 minutes de silence pour les victimes du World Trade Center. J'ai 10 années de recueillement pour tous les morts et les pleurs occasionnés par le colonialisme, l'impérialisme, le fascisme, le haute sale profondisme. Je vends des armes au Rwanda, n'est pas du terrorisme. Je vends des armes en Israël. Pas du terrorisme. C'est que l'Occident a du mal à nettoyer au fond de son slip. Mais ne faisons pas la fine de Belbouche. Il existe aujourd'hui des missiles qui ne touchent que les méchants intégristes. C'est pas l'argent qui fait un civil. C'est une tempête du désert. Votre liberté immuable, cette guerre est immonde. Le chaos, l'intellect, le chaos avale parmi les pires mots quand il s'abat sur le monde. Ce monde glorifie l'info, info usage de faux sur les chaînes et sur les ondes. Le chaos, l'intellect, le chaos avale parmi les pires mots quand il s'abat sur les pauvres. Pauvre qui voit les infos comme un spectacle in vitro en direct à la seconde. Télé et politique demande surtout ne crois pas l'intense. Dans les avions, plus aucune bouteille de gaz, pas même occasion. L'ennemi est invisible, il est nulle part, il est partout. Nous sommes victimes, il sera coupable de tout. La couche d'ozone, c'est lui. Le assassinat du chien de la voisine de la joint ministre qui vivait à Paris, c'est encore lui. Si tous les musulmans sont des intégristes, tous les dignitaires du clergé sont pédophiles. Et si tous les dignitaires du clergé sont pédophiles, alors les bombardements en Afghanistan sont plus qu'utiles. Quand il veut bombarder le Vatican, le monde chrétien va se faire de la bile. Non, il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Tuer des civils aux États-Unis, c'est du terrorisme. Tuer des innocents à Kaboul, c'est une erreur de tir recouvert d'humanité. Un feu de ces inepties, en Occident le chaos est en cérébral. Ça veut dire, au final, bien fait de s'armer l'esprit pour pouvoir répondre aux vandales, au maître de la désinformation multilatérale. C'est une forme de terreur moderne. Tu flippes devant ta radio, ta télé ou tu flippes devant ton modem. Mais la réalité demeure, nous plongeons dans de multiples dilemmes. Même si leur argent n'a pas d'odeur, on voit bien que l'on saigne. Tu protèges ton littoral en Bretagne, à Bastia, au Mururoa. Que tu sois un civil plus possible, à Bagdad, New York, Ho Chi Minh, Ramallah. Terreur contre un pauvre, n'a pas de nom, condamne-la. Bim bim. On reconnaît le chaos, l'intellect, le chaos avale parmi les pires mots quand il s'abat sur le monde. Ce monde glorifie l'info, info usage de faux sur les chaînes et sur les ondes. Le chaos, l'intellect, le chaos avale parmi les pires mots quand il s'abat sur les pauvres. Son pauvre qui voit les infos comme un spectacle in vitro en direct à la seconde. Télé et politique demande journaux. Radio demande. Je pense qu'il y a des reporters qui font leur taf consciencieusement et que les appareils d'État nous perdent à leur dépens. Ça me fout la rage.